Donc, je suis Monsieur Nick Jordan Badinga, je suis le président de l'association Sacré International, qui est une association qui lutte contre les crimes rituels, notamment les sacrifices humains des enfants et des albinos qui ont lieu dans beaucoup de pays africains. Voilà, donc c'est une association qui a été créée il y a déjà 2 ans de cela. Donc actuellement, nous comptons dans le monde, on va dire, autour d'une centaine de membres, qui sont répartis dans plusieurs pays africains et aussi qui sont aussi dans certains pays donc occidentaux comme la France, le Canada et les États-Unis. Donc la participation au forum est importante pour nous parce qu'aujourd'hui, par exemple, la participation à des ateliers, justement, en termes de recherche de financement, en termes de communication, ça nous permet donc de valoriser notre association et donc notre cause également. Voilà, parce que la première arme de cette cause, c'est la communication, c'est la valorisation. Voilà, il faut que les gens savent exactement qu'est-ce qui se passe. Et pour ça, participer ici, rencontrer des partenaires, des spécialistes de tel ou tel domaine, donc est important pour nous. On a pas mal de petits projets qui nécessitent donc des investissements. Et là, par exemple, le fait de demander à des internautes de nous contribuer, de rechercher 2000 euros, 5000 euros, justement, et là, c'est grâce au salon que nous avons pu découvrir, rencontrer des partenaires avec qui nous avons pris contact et avec qui on va travailler. Et ça, c'est grâce au forum voilà, que nous avons pu le faire. Dans Sacré International, tous les membres sont bénévoles. Donc actuellement, nous n'avons que des bénévoles, nous n'avons pas de salariés. Donc ça veut dire que justement, la notion des encadrements juridiques des bénévoles, la notion de l'encadrement juridique de l'association, mais aussi les responsabilités vis-à-vis de nos donateurs en termes de rescrits fiscaux. Et ça, c'est justement sans rencontrant les experts comptables qu'il y a donc ici, que nous avons pu également apprendre pas mal de choses. De quoi nous avons besoin aujourd'hui, c'est de faire connaître notre lutte, mais aussi de faire connaître donc des demandes à ces spécialistes donc de nous aider parce que on vient, il y a l'engagement du cœur, mais cet engagement du cœur doit être accompagné d'une certaine expertise dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la communication, mais aussi dans le domaine de la responsabilité juridique. Voilà, parce qu'une association, c'est une structure qui doit respecter les règles, et ces règles-là, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous qui venons avec la volonté du cœur, nous avons parfois donc il y a la nécessité de s'entourer de tous ceux qui connaissent, comme des experts comptables, comme des spécialistes en communication, et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Donc, je lance un appel à toutes les personnes qui veulent nous aider, que ce soit en termes de dons, mais que ce soit en termes aussi d'apport d'expertise, parce que la lutte contre les crimes à caractère rituel est une lutte contre la pauvreté, parce que la pierre angulaire de ça, c'est la pauvreté. Et on ne peut pas lutter contre la pauvreté si on ne mène pas des actions correctement menées avec des spécialistes qui savent. Voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent. Ils peuvent aller sur notre site www.sacri.org pour pouvoir nous aider. Voilà. Tout aide est le bienvenu.